Salut tout le monde, c'est N27, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Deus Ex. Donc, encore une fois, pour faire un petit guide pour faire un succès. Donc le succès c'est le recycleur ou un truc du genre. Donc ça sera donc un crime qu'il faudra résoudre. Donc voilà. Normalement vous revenez d'une mission, je ne sais plus laquelle, la mission numéro 8 ou 9. Et donc vous revenez et il fait nuit. Donc là vous retournez vers la planque donc d'Adam et vous allez voir la scène de crime. Donc vous parlez à la femme sur laquelle j'ai zoomé, dézoomé. Et ensuite vous parlez au chauve qui vous donnera donc la quête. Ensuite vous parlez à toutes les personnes qu'il y a dans la zone. N'oubliez pas le type à capuche que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo que je vous montrerai qu'à la fin. C'est lui qui vous permettra de parler à un autre suspect. Voilà. Ensuite, donc un petit truc optionnel, c'est donc de fouiller tous les indices de la zone. Donc je vous les montre. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est juste pour se faire un petit peu plus d'XP. Donc voilà. Ensuite, de souvenirs, voilà, donc là je vous montre le truc que j'avais déjà récupéré, donc le bras mécanique, etc. Donc voilà, sachant que, je fais une petite parenthèse, le succès peut être loupé forcément si vous dites au commissaire ou je sais pas quoi, là, le shérif, qui est dans le cowboy. Enfin l'enquêteur en tout cas, si vous lui dites une mauvaise personne, vous n'aurez pas le succès. Donc là attention, je vais faire un petit spoil. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé, bah, passez un petit peu, genre 5-6 secondes. Voilà. Ce succès donc peut en déverrouiller deux. Donc celui à la fin de la vidéo et un petit peu plus loin dans le jeu on déverrouillera un autre, donc je le ferai donc dans une autre vidéo que je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir la suite. Donc voilà, donc il faudra faire bien celui là pour avoir la suite, donc déverrouiller les deux succès liés à cette quête. Donc voilà, donc là je vous montre, donc, juste avant je suis allé parler donc à l'augmenter, je ne sais plus, Johnny ou un truc du genre, donc qui est l'ennemi, enfin le comment ça s'appelle, le suspect numéro 1. Donc voilà, donc, tout le monde veut que ce soit lui. Et donc là, cette personne qui je suis allé voir, donc c'est un politicien. Donc c'est le mec à capuche à côté de la zone du début de l'enquête à capuche, qui vous donne donc le nom de ce type. Donc voilà, donc là la preuve irréfutable, donc c'est la discussion avec la biatch. Donc là faut faites comme moi donc les dialogues et normalement vous aurez la preuve irréfutable qui ne peut pas être le tueur vu qu'il est en train de faire autre chose de sa soirée. Donc voilà, donc là normalement si vous avez bien fait les dialogues avec les deux suspect, vous savez normalement que les deux suspects ne peuvent pas être le meurtrier. Parce que là, tout simplement, il ne peut pas laisser d'empreinte vu qu'il a des bras robotiques, donc vu qu'il a été augmenté, il ne peut pas laisser d'empreinte. Lui, il pourrait laisser des empreintes, il y a plein de trucs qui correspondent à la scène de crime, mais malheureusement, il n'était pas... Enfin, il a un alibi pour sa soirée. Il y a une chose que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo, je précise, tout simplement ça a bugué, parce que normalement, le flic nous dit d'aller voir un dossier. Donc allez voir le dossier aussi, voilà. Parce que moi je n'ai pas pu aller le voir, enfin je suis allé le voir, mais la vidéo elle a bugué, ça mettait un écran noir, tout simplement. Donc je n'ai pas pu le mettre. Donc voilà, donc là vous allez vous mettez donc c'est un imitateur, donc là il va vous dire vous êtes allé voir le dossier, blablabla. Vous dites oui. Et donc là vous allez ensuite
dire que c'est aucun des deux qui a tué la fille juste à côté. Et donc vous allez avoir le succès, le recycleur qui va tomber. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. C'était un 27. Tout le monde a plu.